et le président américain Obama. Et concernant la lutte contre les rebelles pour l'aide en Irak, je n'exclus rien. Et quand il les menace donc pour ses intérêts, il dit que j'enverrai les soldats américains et la Syrie. Mais Obama, désormais qu'il parle de l'événement du Mahdi et qu'il n'attend pas que cela lui colle, que cela lui vienne jusqu'au col. Et constamment, donc, il passe, il laisse passer. Et à force, donc, de laisser passer, regardez, donc, jusqu'où, désormais, ils viendront te tenir ton col. Et donc, une intervention aérienne, donc, ils parlent de cela d'autre manière, eux, ils voudront, donc, une intervention aérienne, même eux voudront. Par exemple, la Syrie a dévasté son propre pays. Et l'Ichid, donc l'organisation Ichid, voudra également que l'Irak soit dévasté, il voudra que les habitations soient dévastées. Et ces bâtiments, donc cette apparence de guerre, cela fait dévaster donc d'un point de vue moral les gens, et les gens s'en vont de là, et à ce moment-là, l'esprit de guerrier vient, l'esprit de guerre vient.